Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Tu te rappelles ma story time que j'ai faite, agent de sécurité dans l'entreprise e-commerce la plus grande du monde quasiment. Eh ben, j'ai oublié de te préciser un point noir. J'ai oublié de te parler de mon premier mois. Bah oui, je suis là, je suis posé, je me dis, attends, je re-regarde ma story time, mais j'ai pas tout dit. J'ai pas dit que le premier mois il était où et comment ça s'est passé. Comment j'ai intégré ça? Je t'ai pas dit, je t'ai pas précisé. Il faut que je t'en parle, ça mérite une story time. Donc installe-toi tranquillement et confortablement. Parce que là, il faut que je te raconte ce mois où j'étais payé vraiment à rien faire. Mais vraiment, hein, rien du tout. Rien. Juste après l'acceptation de mon entretien, eh ben, on m'a dit, bon, monsieur Dams, vous allez garder un local dans un premier temps. Ça va durer 2-3 mois. Et après c'est bon, mais en fait ça a duré un mois. On m'a dit 2-3, mais ça a duré juste un mois. Heureusement. Et je me suis dit, garder un local, ok, ça marche, y a pas de souci. On sera plusieurs, on sera bien, on va garder un local, on va rigoler. Et moi, pour moi, j'ai trouvé aucun inconvénient. J'ai dit, ok, y a pas de souci. On m'a dit, au niveau de la tenue, comme tu vois, en tant qu'agent de sécurité, parfois, suivant les travaux que tu fais, tu as une tenue adaptée. Là, on m'a dit, il n'y a pas de tenue exigée, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais garder un local dans une entreprise qui est quand même prestigieuse, tu vois. Donc, je vais venir bien habillé. J'étais venu en costard, premier jour. Et je vais au barbeur. On me coiffe bien, laser, tout. Je suis propre, j'ai une chemise, j'ai mon haut de président. Tu vois, les hauts qui font costard et qui sont longs jusqu'aux genoux. Je sais pas comment s'appellent les hauts d'inspecteur gadget. J'avais ça, tu vois. J'avais ça, je suis venu bleu foncé. J'arrive directement au site. Je me présente. Ouais, bonjour, je suis monsieur Dams, je travaille pour la société Intel et tout. On appelle le chef de site. Ouais, j'ai un Dams, c'est tout, il est là. Et du coup, on me laisse rentrer. On me dit, ah, bonjour, excusez-moi et tout. C'est dans de sûreté. Je fais, non, pas de souci, je comprends. Et tu vois, en fait, l'entreprise, de là où c'était, déjà de l'extérieur du bâtiment, tu vois à l'intérieur, salle de sport, grand self, il y a un coin hammam, c'est incroyable. Je me dis, waouh, c'est là que je vais bosser, c'est là que je vais surveiller les gens, c'est là où, voilà, je serai là. En plus, je suis frais, je suis beau et tout, donc c'est bien. On rentre, on prend un escalator, 3 étages. Je marche, je dis bonjour aux gens de loin, les gens me disent bonjour, les gens sont contents de me voir, ils sont heureux de me voir. On traverse un couloir et tout, on pousse une porte. Là, je vois quoi? Des ouvriers portugais. Ouais, il y en avait 15, 20. Tout était en ruine, tout était en mode parpaing, pas de peinture, rien. Planche de bois au sol, il y a des flaques d'eau au sol. J'avais des chaussures pointues propres. Il m'a dit, ah, tes chaussures vont être salies. J'ai fait, ouais, bah ouais. Bon, on m'a dit, je peux venir bien comme je veux. Je savais pas que j'ai serré mes chaussures, tu vois. Il m'a dit, ah, bah c'est pas grave. Donc, tu vois, je marche sur les flaques d'eau, je salis mes chaussures. En plus, c'est des chaussures en daim, tu vois, un peu en imitation daim. Et on m'amène à un local bizarre où on me dit, bah tiens, voilà, tu vas rester là. Je t'explique. C'est un local qui fait à peu près 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, vraiment en mode carré, avec des cartons partout. Il a ouvert, il m'a donné la clé, il m'a donné un talkie-walkie, il m'a dit, tu t'enfermes dans ce local-là et tu vas rester 12 heures. Et une fois que tu as fini, enfin, non, après les 12 heures, ben, ta relève viendra pour te relever. Je t'explique. En sécurité, normalement, il y a des postes qui sont surveillés 24 heures sur 24, comme le mien. Ça veut dire que moi je travaille 12 heures et les 12 autres heures, c'est un collègue à moi qui va les faire et moi je vais revenir le lendemain pour prendre ces heures. En fait, voilà, c'est comme ça qu'on alterne. On est peut-être 3 ou 4 sur le site et on s'alterne toutes les 12 heures. Donc, je lui dis ok, d'accord, je suis là, je m'enferme. Il y a des cartons partout, il y a une chaise et un bureau. Et je suis en train de réfléchir. Je me dis donc là, je suis venu en costard. Bien habillé et tout pour rester enfermé dans un local avec des cartons, de la poussière pendant 12 heures. 12 heures, c'est incroyable. 12 heures, c'est trop. J'ai jamais vu ça. 12 heures à rien faire, c'est incroyable. Et il m'a quand même dit
d'appeler sur le talkie-walkie pour dire que voilà, quand je prends une pause d'1 heure pour manger, parce qu'il y avait une autre salle avec des frigos et tout. Donc ouais, je préviens, ouais, je prends une pause et tout, faut me relever. Donc il y a un des agents du grand site qui vient pendant 1 heure, qui attend que je mange et que voilà. Et là, je vous cache pas, c'est long. C'est long. C'est super long. Dans les cartons qu'il y avait dans ce local, c'était des serveurs informatiques. Il me semble, c'était des bases de données. Ou du moins les installations pour mettre des bases de données. Donc c'était quelque chose de sensible à surveiller 24 sur 24. Moi, je dormais dessus. Hein. Moi, j'étais là, j'étais allongé dessus. Parce que hors de question que je touche le sol. Je sais pas, j'ai fait combien de siestes, je sais pas, j'ai fait combien de siestes, mais j'ai dû faire au moins 15 ou 16 siestes. Il était, enfin, je commençais à quoi? Je commençais à 6 heures. Je faisais une sieste. Il était 9 heures. Je faisais encore une sieste. 10 heures. Le temps, il passait même pas. 12 heures dans une journée, c'est incroyablement long, surtout quand tu fais rien. Et le pire, c'était quoi? C'est qu'il y avait 3 locaux. 3. Il y en avait 3. Moi, j'avais le plus grand. J'étais bien. Mais il n'y avait pas de prise électrique. En fait, il y avait des locaux, il y avait des avantages. D'autres locaux, il y avait des inconvénients et tout. Par exemple, le mien, l'avantage, c'est qu'il était grand, c'était plutôt propre. Tu pouvais dormir sur les cartons et tout. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de prise électrique. Donc, tu as avec ton téléphone 12 heures, un iPhone. Voilà, tu télécharges des jeux, tu auras des films. Crois-moi que ça descend très très vite. Tu es avec un ordinateur, c'est mort. Jusqu'à que je découvre l'autre local. Qui là on est sur du 10 mètres carrés, vraiment un petit truc, sachant que le local, il y avait une chaise et il y avait de l'eau par terre. Ça veut dire que là tu pouvais pas t'allonger, tu pouvais pas te coucher, tu pouvais rien faire. Et je te cache pas, hein, rester 12 heures dans une salle humide avec de l'eau par terre, plus jamais je fais ça. Donc, en fait, ça, c'est un local où je disais d'avance, si je suis là, encore une fois, je viens plus jamais. Tu vois, c'est mort. C'est mort. 12 heures assis sur une chaise, déjà là, 12 heures, si je reste 12 heures, enfin, si je reste ne serait-ce qu'une heure assis là, je vais devenir fou. Mais alors, 12 heures, c'est incroyable. Même dans le local, le grand là où j'étais, à un moment donné, ben, je m'étais torse nu, je faisais un peu de pompe, je faisais un peu d'abdos. Je faisais un peu de sport, je faisais un peu de trucs, je réfléchissais à ma chaîne YouTube parce que j'avais YouTube encore à cette époque, mais je faisais pas de vidéo story time où je parlais et tout. Mais j'avais YouTube, je réfléchissais au concept, je réfléchissais à comment je pouvais gagner ma vie, à comment je pouvais entreprendre certains projets et tout. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu beaucoup de temps pour ça parce que j'étais seul avec moi-même. Mais plus jamais, c'est incroyable, c'est dur. Et ça, je me suis dit. C'est ça ce qu'on ressent quand on est en prison. On est enfermé à rien faire. Et tout, c'est incroyable. Le talkie-walkie sonne. En fait, le truc, c'est que comme tu t'enfermes dans une pièce, et ben toutes les 30 minutes, ton talkie-walkie sonne et on t'appelle pour savoir si t'es en vie, pour savoir si t'es pas évanoui, pour savoir s'il faut pas défoncer la porte pour venir te chercher. Parce que c'est normal, t'es enfermé tout seul dans une pièce, et on ne sait pas, t'as aucun contact. Bon, t'as ton téléphone et tout, mais t'as aucun contact et les gens ils savent pas si ça se passe bien ou pas. Donc ça veut dire que tu faisais une sieste, tu te réveillais parce que ça sonnait, tu répondais oui, RS, oui, ça va, tout va bien et tout. Et puis voilà. Mais oh, c'était trop. Je sais que certaines personnes du site m'ont dit, t'inquiète, au début c'est bizarre, mais après tu vas t'habituer. Je me suis pas habitué. C'était dur, c'était une souffrance. Chaque jour, c'était une souffrance. C'était vraiment dur de venir, de se lever, d'encaisser ça. C'était vraiment dur. J'étais là, je me disais, oh, j'espère que le temps va passer vite. J'espère que je trouve un truc à faire parce que j'avais rien à faire. J'avais pas de jeu, j'avais rien. En fait, c'était une époque où vraiment j'étais focus sur mes idées, j'étais focus sur mes projets. Là, je commençais à redevenir dans ce mood-là. Mais je voulais pas jouer, je voulais rien faire. Je voulais vraiment penser business, argent, comment je vais faire pour m'en sortir. Et là, c'était dur, c'était vraiment dur. Sachant que plus le temps est passé, plus je me négligeais, tu vois, dans le sens où je ressemblais à mon équipe. Parce que
Les gens qui étaient avec moi, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour faire le mec et tout. Ils mettaient pas de déo, pas de parfum. J'ai l'impression qu'ils se lavaient même pas. Tu vois, c'était compliqué. Ça veut dire que quand la chaise sur laquelle tu t'assois sent une odeur qui s'accroche sur toi, qui ne part pas à la machine à laver, tu vois, à partir de ce moment-là, c'est chaud. Et petit à petit, et ben tu te vois comme eux. Tu vois, et ça, c'est compliqué. Tu te dis, pourquoi je prends soin de moi? Sachant que personne ne le fait ici. Donc voilà, je n'ai pas coiffé, rien, chaussures normales, jogging, tout. Et puis voilà, bon, je mettais du déo quand même, parce que c'est important, je me lavais tout, mais... Ah, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Donc voilà, ça pourrait dire qu'en sécu, il y a des postes, ils sont vraiment improbables. En fait, j'ai envie de travailler en sécu encore. J'ai envie de faire des missions en sécu juste pour te parler, juste pour te partager mon expérience. Parce qu'en fait, la sécurité, c'est là où j'ai trouvé mes meilleurs jobs drôles, en fait, mes meilleurs jobs insolites. J'ai aussi fait des entretiens pour des postes assez bizarres et spécifiques, mais je pourrais t'en parler dans The Storytime, vu que la sécurité, c'est un truc qui peut plaire et intéresser. Mais voilà, mon poste. C'était incroyable, je comprends pas, mais c'était bien payé, c'était très très bien payé. Donc pour ça c'était bien. Par contre, oui, j'ai pas précisé. J'ai demandé à faire ce poste-là que 2 jours. Parce qu'en fait, la journée, tu vois, t'es dans une partie de bâtiment en ruine. Parce que c'est comme si c'était un grand bâtiment coupé en deux, où tu as le bâtiment propre et tu as le bâtiment en ruine qui est en train d'être rénové, d'être reconstruit pour être en adéquation avec le bâtiment neuf. Mon poste était surveillé 24 heures sur 24. Donc il y avait jour et nuit. J'ai jamais fait de nuit dedans. Jamais. Jamais. Et j'ai dit, je ne fais pas de nuit dedans. Ah bah oui, bah c'est clair, c'est impossible de faire une nuit dedans. La journée, ça va, parce que t'es enfermé et t'entends les ouvriers parler, rigoler, mettre un peu de musique. Donc il y avait un peu d'ambiance. T'étais pas un peu seul au monde, mais la nuit, enfermé dans un truc de 4 mètres carrés ou le petit truc avec de l'eau, jamais, dans un bâtiment abandonné, jamais. Sachant que c'est un truc où on n'avait aucun EPI, on n'avait pas de taser, pas de matraque, rien. Ça veut dire que si jamais un mec il rentre, il dit bon, je les cartons là, bah tu t'es obligé de lui dire oui. T'es obligé, t'avais rien. Donc je me suis dit la nuit, j'avais peur. Il y a une petite prime de nuit et tout, j'avais peur. Je lui ai dit c'est mort. Même si que la plupart des agents ils viennent avec leur sac de couchage pour dormir, la nuit dans un bâtiment abandonné, on est 3 agents, pour la plupart en surpoids, pas athlétiques, pas combattants, et tous on coopère, c'est mort. C'est mort. Aucun bagarreur, c'est mort. Si on était 3-4 dans la pièce, vas-y, la nuit on fait des loups-garous, on parle, y a pas de souci. Mais là, tout seul. Tout seul, imagine-toi juste tout seul à surveiller une pièce grande comme une salle de classe à peu près avec des cartons partout, tu t'enfermes dedans, tu restes 12 heures la nuit dans ce bâtiment, tu entends des bruits et tout. Ah non, c'est mort, jamais de la vie je fais ça. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé de nuit en tant qu'agent de sécurité. J'aimerais bien essayer un jour, mais la nuit c'est compliqué hein, parce que quand tu es un agent de sécurité, pour la plupart du temps, tu es seul en nuit, seul. Or que normalement, pour la sécurité, tu ne dois pas être seul. Au moins deux minimum, deux, trois, tu vois. Mais en sécu, t'es seul. Donc s'il y a une merde, en vrai, de vrai, de vrai, t'es obligé de coopérer. S'il y a une merde où en face de toi, il y a plusieurs personnes, t'es obligé de coopérer. À part si tu veux faire le soldat, ouais, ne touchez pas à mon site, t'es obligé de coopérer. Sinon, bah, ça va devenir très compliqué pour toi. Mais j'aimerais bien un jour tester des missions de nuit en sécu, ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette petite story time, fallait vraiment que je t'en parle et je me suis dit comment j'ai fait pour oublier ça. Mais après je me suis rappelé qu'en début de vidéo en fait
Le job après était tellement bien, tellement tranquille. Parce qu'après, j'étais dans le vrai bâtiment, mais j'étais dans le bâtiment plus plus. Donc, j'étais tellement bien que j'ai oublié tout le négatif. Et j'ai gardé que le positif. Mais il faut que je te parle. J'étais obligé de te tenir au courant. C'était incroyable. Mais j'ai kiffé, j'ai gardé le sourire. C'est un truc que je peux raconter, rigoler et tout. Et voilà, ça peut être bien. D'ailleurs, ça peut être marrant, ça, si je fais un live YouTube et on en parle en profondeur, en détail. Parce qu'il y a des trucs, mais c'est important. En tout cas, j'ai bien aimé cette story time. Si t'aimes bien les story time et tout, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait, mais aussi à ma chaîne secondaire. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.